Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là je suis déjà dans la voiture. Je vais aller, je vous ai parlé dans ma dernière vidéo haul Action et BM, qu'un BM allait ouvrir. Donc je vais y aller, ça va être un petit shop with me. On va voir ce qu'il y a, si j'arrive à trouver un petit peu de déco d'automne. Et puis je vous ferai un petit tour puisque c'est nouveau. La vendeuse m'avait dit qu'ils allaient faire les petits déj, qu'ils allaient faire des petites attractions pour les enfants, etc. Et ensuite je dois faire les courses. Donc j'ai fait le menu de la semaine, je dois finir un montage. Bref, je vous embarque avec moi pour une nouvelle journée, c'est parti. Du coup, je vous retrouve à l'intérieur du BM. J'étais super contente de voir un rayon vraiment très très beau de décoration d'automne. Et pour le reste, je vais vous laisser en musique, mais il y a vraiment énormément de déco. Et cette année, c'était thème Noël, donc ils ont vraiment tout misé sur Noël. Il y a plusieurs rayons de Noël sur le thème rose, rouge, vert. Enfin, je vous montre un petit peu le tout. Vraiment, en termes de décoration, B&M, c'est ce qui se rapproche le plus des magasins américains. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de
de déco comme aux États-Unis, ici en France, mais BM, petit à petit, commence vraiment à rentrer des décos vraiment pas mal. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé, même si je ne fête pas Noël, le rayon rose, tout en rose de décoration de Noël, c'était magnifique. Je vous montre donc un petit peu autre chose que les décorations de Noël, donc ce qu'il y a en rayon en termes de déco et d'accessoires pour la maison, un petit peu de ce qui est d'alimentaire, de jouets, et ensuite on continuera avec le reste de la vidéo. Bon, du coup, on est sorti de chez BM. Je vous ai filmé un petit peu avec mon téléphone, parce qu'avec la caméra, c'est compliqué avec les gens et tout de filmer. Je suis pas très à l'aise. Et franchement, ils ont bien fait les choses. C'est super bien quand c'est bien agencé, propre, neuf. Les rayons sont pleins, vraiment. C'est le Babou de Cormontreuil. Et ils ont installé un stand pour les enfants de maquillage. Ils ont installé un stand de pop-corn. Il y avait le petit-déj. Quoi d'autre? Un stand de barbe à papa. Tout gonflable. Bref, vraiment super bien fait. Et j'ai fait des petits achats que je vais vous montrer juste après. Et là, je dois aller faire 2-3 courses. Donc, on est chez Lidl. Et je vous montrerai potentiellement aussi dans cette vidéo aussi les courses. Bon, on vient juste de finir les courses. Franchement, j'avais dit, j'ai pas grand-chose. Pourquoi les rétroviseurs, ils sont pas ouverts? Je sais pas. Bref, ce que je voulais dire, c'est que là, on est dans la voiture. En fait, j'attends un appel. Donc, je suis bloquée. Je vous montrerai les courses en rentrant à la maison. J'attends un appel visio de mon frère qui est au Maroc. Parce qu'il est en train de m'acheter des épices et des gâteaux, des cornes de gazelle, etc. Bref, j'attends son appel. Et comme j'ai pas envie de le louper, bah, j'attends dans ma voiture. Donc voilà. Et en rentrant à la maison, je vous montrerai ce que j'ai acheté chez BM et je vous montrerai mon petit retour de course. Mon moyen retour de course. Dites-moi si vous arrivez à respecter votre budget parce que franchement là, par exemple, j'ai voulu prendre du thon. Je vous jure, je ne l'ai pas pris. J'ai voulu prendre du thon, c'était à 3 euros, enfin plus que 3 euros et quelques. Ou 4 euros et quelques les deux boîtes et tout. Non mais attendez, je me rappelle d'un moment où c'était 1,79€, 1,80€, 1,99€. 2,19€, on n'a rien dit, mais là, 3,19€, non, on se passera de thon. Bon, après, c'était pour faire des muffins salés, donc c'est pas grave. Et puis voilà, j'ai pris pas mal de choses, pas trop trop de fruits, pas trop de légumes, en vrai, parce que j'en ai déjà au congèle. Donc voilà, par contre, j'ai vu des cerises en congelé, dénoyautées, vraiment des grosses cerises et tout. C'est la première fois que je vois ça. J'ai hésité à les prendre, ils étaient à 3,10€. Je crois qu'ils connaissent que des 3,19€ à Lidl. Et j'ai hésité à les prendre parce que j'avais envie de faire un clafoutis aux cerises. Donc je sais pas, ma fille elle voulait les prendre. J'ai dit non, allez, c'est pas dans la liste, on va essayer de respecter. Bref.
Bon, on a dû faire un petit crochet par le Clear Drive, vraiment pour prendre 2-3 trucs. Mon frère m'a appelé, j'ai pu choisir tout ce que je voulais et tout. Et je vous ai dit que j'attendais son appel en direct du Maroc, il m'a appelé en visio. D'ailleurs, il vient demain, donc peut-être que j'intégrerai ce petit, ces petites choses qu'il m'aura ramené dans la vidéo, selon quand je la sortirai. Et là, j'ai juste pris des pastilles pour la gorge, pour ma fille, miel et citron, du lait de coco, parce que je voulais faire du dalle de lentilles. Et j'ai pris quoi d'autre? Et du miel pour ma fille aussi. Allez, c'est parti pour rentrer à la maison maintenant. Voilà, vous avez entendu. Du coup les amis, je viens de rentrer à la maison. Je vais vous faire mon petit retour de course. Franchement, j'ai pris des petites choses en plus qu'il n'y avait pas sur ma liste. Mais franchement, ça va niveau budget pour une fois. D'habitude, je suis plus dans les 130, 140. Là, j'étais à 114. Franchement, ça va bien. J'avais fait mon menu. J'avais fait ma liste de courses avant de partir. Et surtout, j'ai fait l'inventaire de ce que j'avais dans mes congèles. Et dans mon garde-manger, etc. Vraiment pour utiliser ce que j'ai déjà. C'est pour ça que j'ai pas mal de choses au congélateur, puisque j'en ai deux, des légumes, des fruits, etc. De la viande. Donc c'est pour ça que je suis partie vraiment à l'essentiel. Donc voilà, je vais vous faire mon petit retour de course Lidl. Je vais vous montrer les 2-3 choses que j'ai prises sur Leclerc. Et franchement, je suis super contente parce que je viens juste de recevoir un livre qui tombe à pic. C'est un livre en fait de la marque Comme J'aime, donc il m'a été envoyé par la marque Comme J'aime. Oui, au plaisir, non au kilo. Franchement, je suis trop contente. C'est ma cuisine gourmande, mais sans grossir. Ça va me permettre de vous faire des petites recettes sympathiques sur le, on va dire, un petit peu rééquilibrage alimentaire, oui et non. Mais des recettes plaisir. Je vous montre un petit peu si je peux là, comment c'est fait à l'intérieur. Vous avez tout ce qui est déjeuner. Petit déjeuner d'ailleurs, il me semble aussi. Je vais regarder un petit peu dans le menu. Il a été fait en collaboration avec Adriana, anciennement Carambeu, vous devez connaître. Dedans, dans le sommaire, je vous montre un petit peu. Vous avez pas mal de conseils, pas mal d'astuces. Vous avez pas mal de motivation aussi. Dormir, bouger, ça compte aussi. Buvez en quantité. Retrouver le plaisir, etc. Et dans les recettes, vous avez les petits déjeuners, les entrées, les plats. Et franchement, il est épais, hein. Il est vraiment gros. Il me semble qu'il y a plus de 300 pages. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, bah déjà là, je suis à 320 sur le sommaire. Donc ici, vous avez les desserts. Et ensuite, il y a tout ce qui est annexe. Et vous avez même des menus qui sont tout faits. Je vais vous montrer, j'ai vu un petit peu, je vais vous montrer une petite recette, n'importe laquelle. Choucroute au haddock. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Soupe glacée de céleri, minestrone à l'orge, franchement. Cake au poulet, tomate et curry, ah, ça donne bien envie ça. Voilà, et comme je vous ai dit, vous avez des menus vers la fin. Et ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est que vous avez les menus même du jour. Ici c'est lundi, vous avez donc mardi, mercredi, là jeudi, vendredi. Franchement, ils vous mettent tout le temps le déjeuner et le dîner. C'est vraiment bien pour se donner des objectifs si on n'a pas trop d'idées. Ici vous avez toutes les calories, les protéines, les lipides par rapport aux recettes qu'il y a dans le livre. Les entrées light, les entrées zen. Vraiment un livre vraiment bien fourni, vraiment bien fait. Donc voilà, je vais en sélectionner quelques-unes et vous faire une petite vidéo, qu'est-ce qu'on mange ce soir, ou 5 idées recettes pour le midi, etc. Franchement, ça donne bien envie. Bouillon express, gazpacho de concombre, vraiment vous en avez pour toutes les saisons, pour tous les goûts. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'informations pour celles qui seraient intéressées de se le procurer. Donc là, on va passer au retour de course rapidement et ensuite, comme ça, je pourrai ranger le tout. Bon, avant ça, je vais plutôt vous montrer ce que j'ai pris chez BM parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de choses. Je suis allée à l'essentiel aussi, honnêtement, je voulais pas trop craquer. Et j'y suis allée, comme je vous ai dit, pour la déco d'automne. Donc j'ai trouvé cette petite citrouille ici, elle était à 3,49€. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours les prix dessus. Hop, 3,49€ et c'est une petite citrouille qui s'allume. Blanche comme ça, mais j'ai l'impression que c'est quand même je sais pas, un style de porcelaine. Ensuite j'ai pris cette petite citrouille ici, pareil, 3,99€, en nude beige comme ça avec la queue dorée. J'ai trouvé trop beau et j'ai pris celle du format au dessus qui était à 4,99€. Donc 3,99€ et 4,99€, je les ai trouvées trop belles.
que je vais ajouter à ma petite déco d'automne. En plus, les enfants m'ont demandé aussi de décorer leur chambre, ce que je n'avais pas prévu. Ils m'ont dit qu'ils voulaient aussi une déco d'automne dans leur chambre, donc pourquoi pas. J'ai pris des cintres comme ceci, ils étaient à 2,99€ parce que j'en ai plus du tout, j'en avais besoin. C'est un peu les mêmes que chez Action. Je suis pas très fan parce qu'ils sont fins et qu'ils se cassent hyper vite, mais honnêtement, il y avait que ceux-là, on va dire, avec un bon rapport qualité-prix. J'ai pris des petits dessous de verre. Je les ai trouvés trop trop beaux, ils étaient en rose aussi. Mais comme je vous ai dit, je voulais pas trop trop craquer. Ils sont comme ça. J'ai trop aimé, ils étaient à 3,99€, j'en ai pris 3. Je me dis pourquoi pas, pour une petite déco, ça peut être sympa aussi. J'ai pris cette citrouille à 5,99€, bougie citrouille. Et franchement, l'odeur, mais l'odeur qu'elle... Je sais même pas, je peux même pas vous décrire ça. On dirait un mélange de gâteau de pomme à la cannelle avec un mélange de... Est-ce qu'il n'y aurait pas le... Attendez, peut-être on dirait du roulé à la cannelle, je sais pas, mais... Ouais, de toute façon, il y a de la cannelle dedans. Elle est magnifique. Elle existait en blanc aussi, j'ai pas senti l'odeur de la blanche, mais celle-ci... si vous y allez, prenez-la. Vraiment, prenez-la. Elle est magnifique, l'odeur est magnifique. Donc voilà, comme ceci. En plus, le pot, il est réutilisable. Hein. Une fois qu'elle est finie, la bougie, il faut pas jeter le pot. Et pour finir, j'ai pris des petits vases comme ceci, qu'on voit un petit peu de partout, mais un peu plus cher. Ils étaient à celui-ci 7€, 6,99€. Voilà, et j'ai pris le petit pour aller avec. Il était à 2,99€. Franchement, trop cute. Il ne manque plus qu'à trouver une bougie pour aller avec. Je voulais des bougies torsadées, mais il n'y en avait pas. Donc peut-être que je prendrai des bougies un petit peu avec des rayures. Je vous montrerai si je les prends, il y en avait là-bas. Donc voilà pour mes achats BM. Maintenant, on va passer à tout ce qui est retour de course. Je vais vous montrer vite fait ce qui est de Leclerc, parce que c'est rapide. Pour ce qui est de Leclerc, comme je vous ai dit, j'ai vraiment rien pris de fou. J'ai pris du miel pour ma fille. J'ai pris des pastilles, parce que j'aime bien celle-ci. Miel citron, pareil pour ma fille, parce que j'aime pas trop leur donner. Vous savez, il y a des pastilles qu'on peut donner aux enfants, les pastilles de la pharmacie, etc. Mais souvent, c'est pas de leur âge. Et j'ai pris du lait de coco parce que dans mon menu de la semaine, il y a du dalle de lentilles. J'ai trop envie d'en manger. J'aime trop ça, le dalle de lentilles corail. Et chez Lidl, malheureusement, ils n'ont pas de lait de coco. C'est tout ce que j'ai pris sur le drive. Donc ensuite, je vais retourner la caméra, mais je vous montre juste ce qu'il y a devant moi. J'ai pris pour les goûters des enfants des petits jus comme ça en briques. Voilà, pommes et oranges parce qu'il y en a beaucoup. Quand vous avez plusieurs enfants, ça part hyper vite. Donc c'est pour ça que j'aime bien prendre ceux de Lidl, ils sont moins chers et il y en a beaucoup. Et j'ai pris des compotes de pommes comme ça, multifruits, allégées en sucre, pareil. J'aime bien prendre des gros cartons, mais en ce moment il n'y a pas de promo sur les compotes. Donc je prends ce que je trouve, ça aussi j'en mets au goûter des enfants, toujours un gâteau, un jus et une compote. Et pour le reste, je vais retourner la caméra, ça sera bien plus pratique. Donc j'ai pris du ketchup, d'habitude je prends le allégé en sucre, mais il n'y en avait plus. Bon, c'est ma fille qui a voulu prendre du saucisson. J'ai pris de la charcuterie comme ça, blanc de dinde, blanc de poulet. Il y avait une promo sur la mortadelle de acheter en offert. Des knackis comme ça. J'ai pris une petite salade de betterave. J'aime beaucoup celle de Lidl. Elle est un petit peu sucrée comme ça aux oignons rouges. Ensuite, j'ai pris pas mal de yaourts parce qu'il n'y en avait absolument plus du tout dans le frigo. D'ailleurs, il n'y avait plus rien dans le frigo, hein, pour vous dire la vérité. Je suis vraiment allée là parce que vraiment mon frigo était vide, archi vide. Des yaourts pour moi comme ça, des yaourts au lait entier. Ici vous avez plusieurs goûts, vanille, framboise, citron, coco. Et ici aussi fromage frais à la vanille, c'est pour moi. Enfin blanc, fromage blanc plutôt, pas fromage frais, bon, c'est pareil, vous me direz. Les compotes comme ça, c'est pour mon mari. Les riz au lait et le reste c'est pour les enfants. Ici crème au chocolat. Ici des crèmes aux œufs, j'ai laissé ma fille choisir. Hein. Il y avait une petite promo de flan bio, donc voilà, j'en ai pris deux. Ensuite, dans le menu de la semaine, il y aura une tartiflette, donc j'ai pris de la tartiflette. Du fromage, pareil que ma fille a pris. Ça, c'est bah, déjà, j'aime bien le tartiner pour le matin sur mes tartines. Avec mon café, je préfère prendre du salé que du sucré. Généralement, c'est ce que je prends. Il peut m'arriver de prendre de la confiture, mais c'est hyper rare. Donc souvent, c'est ça. Mais là, j'en ai besoin pour une recette de goûter. J'ai pris du lait d'amande, pareil, j'en ai besoin pour une recette et puis j'aime bien en mettre aussi dans mes cafés. J'ai pris de la crème entière et de la crème légère comme ça,
de la sauce roquefort, pareil pour une recette de pâtes, légumes et sauce roquefort. J'essaierai de vous faire prochainement une vidéo recette parce que j'ai trouvé des petites recettes sympas que j'aimerais bien tester. Donc pourquoi pas les faire en vidéo si ça vous dit, vous me direz. Je sais que vous aimez bien avoir des petites idées recettes qui changent un petit peu quand je fais des repas classiques que j'ai l'habitude de faire. C'est vrai que je filme pas, mais quand c'est des nouvelles recettes, je me dis pourquoi pas. Donc croque-monsieur et cheddar, j'ai pris pas mal de jus de fruits parce qu'il n'y en avait plus du tout. J'ai pris pas mal de jus de fruits parce qu'on n'en avait plus du tout. Donc jus d'orange, jus de fruits, jus d'ananas parce que c'est très bien pour la toux et que ma fille a une grosse toux en ce moment. Jus de pomme et ici multivitaminé. J'ai pris des petites salades comme ça. Habituellement, j'en prends pas. Je me dis des fois, les enfants sont à la cantine, je rentre du sport, j'ai hyper faim. Plutôt que de tomber sur quelque chose... Bon, généralement, je mange des wraps ou des tartines, mais voilà, je me dis pourquoi pas. J'ai pris mexicaine et niçoise. J'ai pris macro moutarde et... ici, je sais pas, c'est sauce tomate, je pense. Voilà, et j'ai pris des miettes de thon à la tomate parce que c'était beaucoup moins cher que le thon classique. Et ça m'a rappelé un petit peu les miettes de thon du Maroc. Donc voilà pour tout ce qui est de frais. J'ai aussi pris des grosses madeleines comme ça, espagnoles. Pour les goûters des enfants, c'est vrai que j'ai pas toujours le temps de les faire moi-même. Mais maintenant, ils vont plus être au goûter deux fois par semaine. Donc je me dis que je pourrais les faire moi-même. Bien que ça va être aussi un peu compliqué puisque c'est pour les emmener aux activités directement à la sortie d'école. Mais c'est toujours pratique d'avoir ça parce que parfois, je vous dis la vérité, ils mangent dans la voiture parce qu'ils quittent à 16h30, qu'on doit être à l'activité à 17h. Et voilà, pour pas être en retard, on fait au mieux. J'ai pris aussi un savon comme ça, savon de Marseille à la fleur d'oranger, il était en promo pour les mains. Ça c'est le démêlant que je prends quand j'ai plus celui de chez Shogun, il est à 1,10€ et franchement il est très bien pour les filles. C'est à l'huile d'argan pour les cheveux secs, voilà, indisciplinés, c'est sans rinçage, c'est un baume coiffant protecteur, il nourrit et il discipline. J'ai pris des crêpes. Des gaufres, des petits génoises comme ça fourrés, des imitations Kinder Délice, du pain en noix parce que c'est notre préféré, ça c'est pour les sandwichs pour les jours de speed, pain complet tout le temps. Ici les premières mandarines, premières clémentines qu'on va goûter, des bananes, framboises, raisins sans pépins, un concombre, de la sucrine, ça c'est pour faire une tarte salée. Pâte brisée, des carottes et un potiron, le premier potiron de la saison. Donc voilà pour mon retour de course, j'ai aussi pris un pack de lait et un pack d'eau. Donc je me dis, ça va, pour 114€, franchement, il y a de quoi faire quand même. Bon, j'en profite également pour vous montrer ma petite commande de chez Coro que je viens de recevoir. Vous savez que Coro, j'aime beaucoup leurs produits, ils sont sains, ils sont végans, ils sont healthy. En plus, c'est bien emballé, c'est une livraison qui est rapide. Bref, n'oubliez pas que si vous voulez tester ou commander quelque chose, vous avez toujours mon code promo qui est valable toute l'année, c'est IMENW5. J'essaierai de vous le mettre en barre d'information. Je vais essayer de vous mettre les codes promo que j'ai qui sont valables toute l'année. Comme ça, si vous voulez tester certains sites, vous les retrouverez facilement. Donc, j'ai pris ici une préparation pour brownies. Donc voilà, c'est bio, c'est un mélange à cuire en fait. Une pâte avec des pépites de chocolat. Voilà, donc je testerai et je vous en dirai des nouvelles. C'est la première fois que je prends un mélange tout fait. Mais pourquoi pas quand on n'a pas le temps. J'ai pris pour cette période du sirop d'érable. Ici c'est un très très gros format. J'ai aimé vraiment la bouteille. J'ai trop aimé. Voilà, c'est réutilisable en plus, donc ça c'est top. Et comme je vous ai dit, c'est 1 litre. Ici j'ai pris des crispies de soja. Donc c'est un petit peu comme les céréales, moi je vais les mettre dans mes smoothie bowls, dans mes petites préparations comme ça pour donner un petit peu de goût. Donc c'est des protéines de soja goût cacao et pareil c'est 1 kg. J'ai pris deux purées d'amandes, donc moi j'ai déjà goûté la purée d'amandes blanche, la purée de noisettes, la purée d'amandes complète. Ici j'ai voulu tester la purée d'amandes à la cannelle et à l'extrait de vanille, donc j'en ai pris deux. Et ça tombe bien pour cette période-ci, hein. La cannelle, j'ai envie de vous dire, on va être en plein dedans. J'ai pris des biscuits à l'avoine, donc il y en a un qui est fourré au beurre de cacahuète et l'autre qui est fourré au chocolat. J'ai repris les fameux biscuits, pareil ici, à la cannelle, aux trois chocolats, donc chocolat blanc, chocolat noir et chocolat au lait. Je vous les avais déjà montrés il y a quelques mois, je les avais déjà pris mais on les a finis, donc j'en ai repris. Et pareil, comme vous voyez, c'est toujours des gros formats.
Et pour terminer, j'ai pris des bretzels au chocolat blanc parce que j'ai beaucoup aimé ceux au chocolat au lait. Franchement, c'est trop trop bon. Et pour les soirées cinéma, etc. Les petits grignotages sains, c'est toujours bien. Donc voilà pour ma petite commande du mois de chez Coro. Donc voilà pour mon retour de course. Comme je vous ai dit, ça reste raisonnable. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais ranger les courses, évidemment. Donc soit je vais vous garder avec moi. Il faut que je nettoie mon frigo. Trêve de blabla, c'est parti pour ranger les courses. Bon, j'ai vidé tout mon frigo, j'ai enlevé les boîtes parce que franchement elles étaient dans un état catastrophique pour les laver. Je vais utiliser comme d'habitude mon produit de chez Shogun, le nettoyant désinfectant frigo et une microfibre, voilà, pour nettoyer en profondeur mais quand même rapidement parce qu'honnêtement je suis KO. Et ensuite je viendrai ranger le tout. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. Baby, I will show you how you can catch my vibe. And right here we got so much time, looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Voilà, j'ai fini de ranger mon frigo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à me mettre un petit emoji Caddy si vous êtes encore là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me fait toujours plaisir. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao !